Monsieur le ministre, monsieur le préfet, monsieur le sénateur maire, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du conseil régional, monsieur le président du conseil général, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des autorités judiciaires et militaires, mesdames et messieurs les recteurs et présidents d'université, mesdames et messieurs les directeurs académiques, monsieur le directeur régional des Fages, messieurs Ricciotti et Tracandi, chers doyens, inspecteurs et chefs d'établissement, chers enseignants, chers personnels du rectorat et de la direction des services départementaux de la Côte d'Or, chers représentants des parents d'élèves, chers élèves, mesdames, messieurs, chers amis. C'est ce que je pensais. C'est un très grand honneur de vous accueillir aujourd'hui, monsieur le ministre, pour l'inauguration du nouveau rectorat de notre Académie de Dijon et de la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale de la Côte d'Or. Le magnifique bâtiment dans lequel nous travaillons désormais a été conçu par l'architecte Rudy Ricciotti et réalisé par l'entreprise Eiffage. Il accueille 530 agents qui œuvrent pour les personnels de l'Académie et pour la réussite de tous les élèves de Bourgogne. Ce n'est pas tous les jours que l'on a la chance d'inaugurer un nouveau rectorat. Et celui-ci, avec son architecture futuriste et sa conception qui intègre pleinement les impératifs du développement durable, marque un tournant dans l'histoire de notre Académie. C'est le signe du changement, monsieur le ministre, celui d'une éducation nationale tournée vers l'avenir de ses élèves, de ses personnels, de notre région et qui coïncide avec la refondation de l'école. C'est également le signe d'une rupture après une ère de pénurie et de suppression de moyens. À ce titre, monsieur le ministre, je tiens à vous remercier d'avoir tenu compte des spécificités territoriales de notre Académie et d'avoir renoué avec la création de postes dans le premier et second degré. Cette Académie au territoire contrasté nécessite un travail de proximité dans les bassins de formation avec les inspecteurs, les chefs d'établissement et les enseignants. Je pense, monsieur le ministre, qu'avec la loi de refondation pour l'école de la République, tous les atouts sont réunis pour que nous y parvenions tous ensemble à vos côtés. Si notre Académie est tournée vers l'avenir, nous n'oublions pas la richesse de notre histoire, de notre patrimoine, des femmes et des hommes qui ont fait cette institution. C'est pourquoi j'ai souhaité associer les anciens recteurs de l'Académie de Dijon. Je tiens à souligner le travail des différents corps de métiers qui ont contribué à la réalisation de ce lieu, à saluer les personnels qui ont accompagné ce projet et accepté de nouvelles conditions de travail pendant la période du déménagement puis d'installation qui a duré plusieurs mois. Je veux enfin vous remercier, monsieur le sénateur maire François Rebsamen, de faire en sorte que la ville de Dijon soit toujours à nos côtés. Vous avez permis l'accès à notre rectorat par votre tramway si bien réussi et vous nous avez accompagnés dans les différentes étapes du chantier. Monsieur le ministre, dans votre projet de refondation de l'école, vous avez voulu placer les élèves et la pédagogie au centre du système éducatif. C'est pourquoi j'ai souhaité que nos élèves soient associés à cette inauguration. Ce fut le cas à votre arrivée avec des élèves d'école primaire du conseil municipal des enfants de la ville de Dijon. C'est aussi le cas avec la chorale du collège et lycée Carnot, présente devant vous et qui a travaillé sans compter ses heures avec ses enseignants, leurs chefs d'établissement et les corps d'inspection pour vous proposer un court extrait de l'opéra Les Indes Galantes d'un compositeur de la région, né à Dijon, Jean-Philippe Rameau, ainsi qu'une pièce instrumentale intitulée La Tromba de François Couperin. À travers les écoles, les collèges et lycées, je tiens à saluer tous nos partenaires et notamment les collectivités territoriales, les villes, les conseils généraux et bien sûr le conseil régional de Bourgogne. Monsieur le ministre, je vous remercie de nous avoir honorés de votre venue. Je vous propose d'écouter nos élèves qui sont heureux et fiers devant vous. Thank you.
Excusez, on avait une petite discussion d'abord pour féliciter vraiment la chorale collégienne, lycéen et bien sûr ceux qui les ont accompagnés et fait travailler. Vincent Payon le fera aussi, bien sûr. Et puis les enfants du conseil municipal, les enfants de Dijon avaient une mallette à remettre au ministre
qui résume les travaux qui ont été faits par l'ancien conseiller municipal d'enfants, et puis prennent l'engagement de transmettre au ministre tous les projets qu'ils porteront pendant les 2 ans de leur mandature. Alors voilà, c'est une petite mallette à remettre au ministre. Voilà. Bon, l'emploi du temps est serré, vous l'avez tous compris. La SNCF n'a rien à voir avec cela. Merci, Madame la rectrice, d'avoir cité toutes les personnalités qui sont présentes ici. Et je vais donc me permettre de vous dire, chers amis, chers tous, chers amis, permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à Vincent Peillon, qui est le ministre de l'École de la République, et de lui dire à titre personnel combien je suis très heureux de l'accueillir ici à Dijon, aux côtés du préfet, de Madame la rectrice, et c'est la nouvelle appellation de la directrice académique, que je continue à appeler régulièrement l'inspectrice d'académie. Elle ne m'en veut pas, elle le sait. Je voudrais également vous remercier, Monsieur le ministre, cher Vincent, d'avoir accepté de venir échanger tout à l'heure un moment avec les maires de notre département et président d'intercommunalité sur la réforme des rythmes scolaires. Vincent Peillon a pour notre école une grande ambition et a pour celles et ceux qui la font vivre au quotidien le plus grand respect. Vincent Peillon veut que la refondation qu'il conduit soit aussi la leur, convaincu qu'il est que la réussite de notre école ne sera possible, bien évidemment, qu'avec tous les membres de la communauté éducative. Nous connaissons la situation qui a été celle de l'éducation nationale ces dernières années. La refondation de l'école, comme l'a affirmé le ministre, est une priorité, sa priorité. C'est une priorité budgétaire qui est une condition nécessaire. Il ne suffit pas, en effet, d'affirmer que l'éducation est une priorité, il faut y consacrer les moyens nécessaires. Or, force est de constater que la gestion malthusienne qui a été consacrée ces dernières années, en dogme, tournait le dos au service public de l'éducation. Mais l'école est aussi une priorité politique, au sens large du terme. Et elle s'accompagne évidemment d'une idée qui est celle que l'école porte en elle un certain nombre de valeurs, instruments décisifs et indispensables du redressement de notre pays. L'école que nous voulons est celle qui doit promouvoir une réelle égalité des chances. Comme le souligne Vincent Peillon dans la lettre qu'il a adressée en décembre dernier à tous les personnels de l'éducation nationale, l'école est effectivement le socle de notre nation, l'assise de notre société, la clé de voûte de son avenir. Elle est notre bien commun, notre res communis. Et comme telle, elle demande que nous lui accordions, par-delà nos sensibilités différentes, de la servir au mieux. Les réponses que l'on doit apporter en termes d'éducation, de formation, d'intégration sociale, de démocratie, renvoient à un choix fondamental de société. Seule une modification en profondeur des approches éducatives peut faire vivre les valeurs de la laïcité. Solidarité, entraide, accueil, respect de l'autre, tolérance, civisme, responsabilité et éveil, capacité à l'analyse critique. Oui, nous croyons à ces valeurs qui permettent à l'école publique d'apprendre aux enfants, tout simplement, comme le disait Bobéro, l'art de vivre ensemble. Voilà. L'école est faite pour aider et former l'élève à devenir le citoyen d'une démocratie, à l'image de ce que nous faisons, modestement, ici, avec le conseil municipal d'enfants de la ville de Dijon. Je remercie d'ailleurs à cet égard les parents qui ont permis à ces jeunes d'être présents avec nous ce matin. Mais peut-on rêver d'une plus belle réalisation que celle qui nous réunit en ce jour, Madame la rectrice? Votre équipe a relevé le défi de créer un bâtiment conciliant esthétisme, intégration urbaine, confort, performance énergétique et environnementale. Révolutionnaire, ça fera plaisir à Rudy Ricciotti. Écologie, futuriste, les qualificatifs, ne manquent pas pour décrire la construction des nouveaux locaux du rectorat de l'Académie et de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Côte d'Or, je ne l'oublie pas. Je n'oublie pas également que l'ancien rectorat méritait depuis longtemps d'être quitté, puisque
Je rappellerai qu'un concours avait été lancé en 1994 et qu'il n'avait pas donné suite. Et donc, il a fallu effectivement attendre une décision pour cela. La structure générale du bâtiment, imaginée par le cabinet Rudy Ricciotti, je le cherche des yeux. Moi, pourquoi il ne vient pas avec nous? C'est quand même lui. Moi, il est grand et nous voit, mais enfin, je voudrais le dire, qui a construit, bâti le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, qui vient d'être mis à l'honneur, et puis une bonne part des arts de l'islam au Louvre, eh bien, a pu doter ce bâtiment d'une œuvre singulière, d'une forte identité architecturale. Qu'il me soit permis pour cela de saluer aussi les services de la ville, de l'agglomération, qui ont travaillé en coopération étroite avec le rectorat. Pierre Privetich, ici présent, qui porte nos projets sur ce quartier. C'est une forme aux allures avant-gardiste, un atrium que vous n'avez pas encore découvert, et puis un carré de vigne au sol, on m'a dit, un carré de vigne au sol, le clos du recteur. On pouvait, on l'a mis au masculin, on ne pouvait pas faire moins quand même en Bourgogne d'y avoir pensé. L'achèvement de la construction du rectorat, mesdames, messieurs, marque une nouvelle étape dans la concrétisation du projet urbain des cités des affaires, qui a vu ses constructions s'échelonner sur la période 2007-2012, et ce n'est pas fini, puisque nous allons lancer avec le groupe Lazare la construction d'un nouveau bâtiment. La ville a investi dans l'aménagement des abords du rectorat, merci de l'avoir indiqué, madame la rectrice, c'est quand même 700 000 euros que la ville a investi, qui s'inscrivent dans la continuité des espaces publics existants. Avec vous, madame la rectrice, je voulais vous le dire, eh bien, vous êtes la garante du service d'éducation dans l'académie. Je tiens aujourd'hui à rendre hommage à l'ensemble, parce que c'est à eux qu'il faut penser, à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, l'ensemble des corps d'inspection, les chefs d'établissement, mais aussi les enseignants. Ces enseignants qui n'ont pas peur d'affronter la réalité avec toutes les difficultés qu'elles présentent, mais qui trouvent toujours un égal bonheur à éduquer, à instruire, ces enseignants qui donnent le meilleur d'eux-mêmes à ces enfants pour qui ils sont la présence vivante de la République. Je pense bien sûr aussi à vos 530 agents, madame la rectrice, qui mettent beaucoup d'abnégation dans l'accomplissement de leur mission publique, leur mission de service public. Gérer l'académie, ce n'est pas rien. Près de 22 000 enseignants et 275 000 élèves, il faut toujours y penser. L'arrivée de ce nouveau bâtiment vient récompenser tous leurs efforts. Le nouveau rectorat, je l'espère, sera un cadre de travail adapté pour les personnels. En tous les cas, il est sûrement beaucoup plus adapté que là où ils étaient précédemment, notamment en matière de sécurité. Et je voudrais à cet égard remercier encore l'entreprise qui a accompagné l'architecte. L'éducation est plus et autre chose qu'un service, c'est bien plus qu'un droit. Il faut le rappeler avec force et vigueur, c'est la condition première d'humanisation et de sociabilisation. C'est pour ça, Monsieur le ministre, que nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin en vous disant encore notre confiance dans le bel avenir de cette académie que viendra sceller aujourd'hui la plaque que, je pense, nous dévoilerons dans quelques instants. Merci. Monsieur le préfet, madame la rectrice, Monsieur le sénateur maire, monsieur le sénateur président de région, monsieur le député président du conseil général, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les fonctionnaires, chers enfants. Il y a un peu d'émotion, je dois dire, à être accueilli de cette façon, pas seulement par les manifestants aimables, mais par vous tous, parce que c'est exactement une certaine idée de la France que, je crois, nous partageons. Et la possibilité, je crois même la nécessité, car nous vivons une crise difficile, qui est matérielle, mais aussi spirituelle, une crise de valeurs, la possibilité et la nécessité de nous rassembler autour de notre jeunesse et autour de l'école. Parler de Rameau, je pensais en même temps à un vieux concours de l'Académie de Dijon qui avait conduit Rousseau, qui lui voulait aussi faire de la musique.
Au début, il est venu en France pour faire de la musique. Il se vivait musicien, Jean-Jacques Rousseau, l'homme de l'Émile et du contrat social. Et puis, il a répondu à ce concours de l'Académie de Dijon. Et il est devenu Rousseau. Mais notre France, celle que nous partageons, celle issue de la Révolution française, qui porte la Déclaration des droits de l'homme, elle s'est construite avec et autour de son école. Nous avons besoin, bien entendu, de faire de notre jeunesse des individus libres, émancipés, autonomes, pouvant construire leur propre destin. Et cela se fait par le savoir, par la connaissance, par le jugement. L'éducation, en instruisant, éduque à la liberté. C'est dans les instructions officielles de la France. Et nous devons donner à chaque enfant les moyens précisément de s'arracher à tous les déterminismes qui peuvent peser sur un destin pour construire ce qui n'est pas une personne de nature, l'homme des droits de l'homme, mais ce qui est un être de culture, de valeur. Et puis, évidemment, citoyen. Nous avons à émanciper un individu, nous avons aussi à faire un citoyen, citoyen de la République. Vous savez, dans notre Constitution, la République, elle est indivisible, elle est démocratique, c'est une exigence forte, elle est sociale, elle l'assume. Au-delà des clivages politiques, elle est sociale. Il n'y a pas de liberté sans égalité, sans justice, et elle est laïque. Et l'école, elle doit assumer d'instruire, mais aussi d'éduquer et de transmettre ses valeurs. Dans nos textes de l'éducation nationale, l'idéal laïque est un idéal qu'il nous appartient de transmettre. Devant tant d'obscurantisme, tant de mercantilisme, pourquoi la République n'enseignerait-elle pas, elle serait la seule, ses valeurs? Nous en avons besoin. Et puis, bien entendu, aider nos élèves, nos enfants, à s'insérer dans la société. Une France qui supporte 25% de chômage de sa jeunesse. On n'a pas fait les bons choix. J'étais en Allemagne il y a quelque temps avec le président de la République et le gouvernement. C'est 10-11%. Nous avons une jeunesse qui a plus du double du chômage des autres. C'est notre responsabilité d'adulte. C'est notre responsabilité de permettre qu'ils puissent demain s'insérer. D'autant plus que, comment être libre? Comment construire son autonomie? Comment s'épanouir sur le plan personnel? Comment être un citoyen actif si on est dans une situation sociale de misère et de désespérance? Le maire de Dijon me disait en cheminant vers vous la difficulté d'un certain nombre de jeunes des quartiers qu'il rencontrait encore hier. Ne pas bien traiter sa jeunesse, c'est ne pas bien traiter son avenir. Au XIXe siècle, le grand républicain Edgar Quinet disait « La jeunesse, les élèves, ce sont les messagers de l'avenir. » Un pays qui n'accorde pas à sa jeunesse, qui n'accorde pas à son école, surtout nous, ce qu'il doit lui accorder, c'est un pays qui ne se projette pas dans le futur. Il ne s'agit pas de faire pour la jeunesse. En faisant pour la jeunesse, on fait pour tout le monde. Et on fait pour la nation. Alors, nous avons voulu, le président de la République d'abord, le gouvernement autour de lui, faire de la jeunesse et de l'école cette priorité. Je ne veux pas, et je le vois avec les rythmes scolaires, et c'est difficile de l'éviter, que nous prenions les enfants en otage de nos querelles d'adultes. Il n'est ni de gauche ni de droite, le petit élève. Nous ne devons pas, et nous le savons, c'est l'idéal laïque, blesser aucune conscience, aucune opinion. Mais il y a du bon sens. Nous avons 25% d'élèves en difficulté au collège, plus de 35% dans les quartiers en difficulté. Nous sommes en train de sombrer dans tous les classements internationaux. Réagissons. Nous le devons à ceux qui viennent et à notre pays. Alors c'est la priorité aux primaires, avec les moyens, 2/3 des créations de postes. Avec, car les moyens ne suffisent pas, des changements de pédagogie profonds. L'accueil des petits, le plus de mètres que de classe, les cycles. Nous devons aussi remettre en place la formation des enseignants. Dans toutes les études dont nous disposons, et c'est évident, oui, je mets l'élève au cœur du système, mais l'élève dans sa rencontre avec le professeur. Mais il faut que les professeurs puissent assurer cette rencontre. Nous sommes le seul pays, là encore, qui n'a pas compris qu'il fallait au contraire mettre davantage de formation des enseignants. C'est un métier difficile, c'est un métier exigeant, c'est un métier qui a évolué. Et donc nous devons 27 000 postes dans les 2 années qui viennent.
l'année de stage, la formation, les écoles supérieures, la nécessité de réapprendre ou d'apprendre peut-être tout court à se parler, qu'on enseigne en maternelle ou à l'université.